Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Tower of Fantasy, épisode 2. Je me baladais tranquillement et j'ai oublié que je m'approchais de l'objectif. Donc c'est parti, qu'est-ce qui se passe? Oui, nous y sommes. Je pense qu'on va avoir accès aux invocations. J'espère bien. Hop. Pénurie de laitue. Ok, ok, si vous me dites. Parce que pour l'instant, mon arme, la double lame physique, j'ai pas trop envie de la up. Donc j'aimerais récupérer des armes assez vite et me concentrer sur celle-ci plutôt que de up les armes de base que je vais probablement jamais ressortir. Du coup, allons-y. Bon, je suis toujours en moyen, en graphisme. Aïe, j'ai fait me faire écraser, tout va bien. J'espère que ça ira sur le live, que ça va pas trop laguer. Mais Nelly, c'est un rageux en même temps. Voilà. Bonjour. Pas que je remonte le son là. Hey, I'm a friend of Shirley's. She sent me to get help from you. Voilà, Zenix sur le live, il me dit les couteaux que t'as sont nuls. Bah c'est exactement pour ça que je veux pas les up. Genre je les ai mis niveau 3, mais pas plus quoi. Je veux pas... Je veux d'autres trucs moi. Je pense pas. La grande question, est-ce que Genshin risque d'être remplacé par Tower of Fantasy? Je pense pas. Le jeu est moins bien fini, moins quali. Le gameplay à la manette, il est très bancal. Tu peux pas mapper tes touches, enfin tu peux pas réattribuer tes touches. Je suis obligé de jouer en QWERTY, tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui font que c'est pas carré comme Genshin. Genshin, c'est quand même très très propre. Donc à voir sur le long terme. Après, sachant que le jeu, il a déjà pas mal de mois, même années peut-être. Il a plus d'un an, je crois, sur la version chinoise. Il n'y a pas de serve de manette supportée normalement. Tu vois, je trouve ça un peu chaud, quoi. Donc je sais pas. Après il sort sur PC, c'est un atout pour moi. Donc c'est un jeu mobile normalement de base. Donc peut-être un rival sympa, mais je pense pas que ça va le détrôner. Hein. Non non. C'est pas terrible à la manette. Non non. Par exemple au début t'as une espèce de phase en tuto, en QTE, ça te met les contrôles du clavier. Alors que j'étais à la manette. Genre appuie sur un clic gauche. Bah oui mais sauf que moi c'était A ou B, je sais plus. Tu vois c'est tout con. Mais ou alors t'as pas accès au menu par exemple. Alors que Genshin t'as accès à tous les menus à la manette. Sur Tower of Fantasy, c'est pas le cas. Ça, c'est un peu dommage, quoi. Donc, est-ce que ça va évoluer? J'en sais rien. Mais là, à l'heure actuelle, manette pas ouf. Hein. Donc, tu sens que c'est un niveau en dessous. Après, des fois, la popularité des jeux, machin, c'est pas forcément la qualité intrinsèque au jeu qui fait le succès du jeu. Mais après, je pense qu'il peut vivre, il peut vivre sa vie. Peut-être faire bouger le cul aussi un peu à Genshin, mais je pense pas qu'il le détrônera. Hein. Genshin c'est trop quali, c'est trop propre, c'est trop présent, c'est... Il y a de la hype avec Sumeru qui arrive, tu vois, ça me paraît compliqué. Bref, on continue. Même si on t'entend pas trop, monsieur le ferrailleur, là. She's all right. We're just trying to fix a broken deconstructor. And we're hoping to borrow your backup power source. Understood. Take the backup power supply. It shall symbolize our companionship. I shall also synchronize the latest geographical data of Astra with you. On n'entend rien ce qu'il dit le robot. Ouais. Donc là on a débloqué la map de la zone, ok. Et on voit que Zenik il est en haut. A plus tard Zenik. Le bon point pour moi par rapport à Genshin c'est la création de personnages, c'est vrai. Le personnage parle, c'est pas Paimon qui fait office de d'interface de joueur, enfin on se comprend quoi. C'est pas Paimon qui parle pour le joueur. C'est vraiment ton personnage qui parle. Après je pense pas que le scénario pareil va être aussi... Je sais pas, il n'y a pas un terme pour qualifier le scénario de Genshin. Tu sais, en mode vraiment RPG classique, avec des enjeux un peu sombres, machin. Je pense pas que ce soit aussi bien amené. Et les armes différentes, ouais, c'est sympa aussi. Mais j'adore le principe de switcher de personnage sur Genshin aussi. Après, l'avantage, c'est que tu peux jouer en multi avec tes trois armes. T'es moins bridé. Le multi a l'air d'être plus intéressant sur Tower of Fantasy. Et c'est peut-être sa force, on va dire. Et j'espère que ça va faire bouger Genshin, quoi. Bah, là, il y a 6 ans... Dans le CDI de mon collège.
Ouais, c'était Carole Quintaine qui en avait parlé, non? Attends, j'ai vu du magazine, je sais plus. Le serveur, c'est Anomora, je crois. Le serveur FR officiel. Mais en Europe, tous les serveurs sont blindés quasiment. Hein. Il y en a quelques-uns qui repassent en orange de temps en temps, mais pas celui-là du coup. Donc compliqué. Attendez, je vais augmenter. Attends. Musique d'ambiance. Moi, ce que je vois surtout, c'est les voix. Genre, si je remonte ça, je baisse un peu les effets sonores et surtout la musique. Parce que là, le robot, on l'entendait pas du tout. Hein. What the fuck. Anyway, Michel, tu peux me donner les invoques, s'il te plaît? Merci. On l'entend pas mieux. Ah, les autres PNJ, on les entend mieux que ça. One Fuck, dude. Là, tu vois, genre, si t'es à la manette, il y aura encore écrit appuyer 2, tu vois. Il n'y aura pas la touche manette. Midgar a beau être en rouge, il n'y a pas de file d'attente. Ah, d'accord. Bah c'est vrai qu'on s'était mis d'accord avant le lancement du jeu, c'est un peu compliqué parce que nous on a lancé à 2 h, tu sais on pouvait pas... C'est compliqué quoi. C'est compliqué de savoir vraiment quel serveur allait être blindé ou pas. Ok monsieur. On va faire une pause monsieur. Comment j'annule le truc là? Merci. Hop, on va juste prendre ça. Et le foutre là-dedans. Alors t'as des mécaniques comme ça, mais des fois c'est limité par le temps. Est-ce que là c'est le cas? Non, il nous a looté. Nickel. Hop. Mince, faut ramasser. Bon, j'ai pas l'habitude de jouer clavier souris, donc je regarde beaucoup mes mains. Le support manette est pas terrible. Allez, on continue. J'ai hâte d'avoir accès aux invoques là, j'ai envie de looter des choses. Mais du coup, ouais, Guillaume, t'es parti sur Midgar? Ça y est? Genre on les dérange. Il est pas niveau 12, j'espère. C'est son âme préférée pour l'instant. Il est clairement pas niveau 12. Ouais. Alors dans l'open world ils sont insupportables du coup avec leur bouclier. Après Guillaume, je sais pas si tu te rappelles sur Lost Ark, c'était l'enfer aussi au début. Hein. J'imagine qu'aujourd'hui tu te cours dessus sans problème. Donc je regarde un peu s'il n'y a pas des choses. Il y a du puissant lit derrière, ok. Ok monsieur le ferrailleur. N'hésite pas à parler plus fort, hein. Simulacrum database has requesting data release permission.
permission to release Hycros weapon system data has been granted. Permission to release Hycros simulacrum system data has been granted. Ouh, c'est les invoques ? Commande énorme. A tout à l'heure, Guillaume. Commande spéciale, ouais. C'est la bannière. Ok. Je vois. On est obligé de faire un 1 ? Première invoque. Première invoque. C'est du violet, alors c'est peut-être normal. Je pense qu'on est obligé de l'avoir, non, Ico? Je sais pas. Je suis pas au courant, en fait, là. On va se calmer. Testez votre nouvelle arme. Donc là, on va avoir une lance, ok. Change-moi cette merde, là. Ah, mais ça reste électrique. Simulacre. Oh my god. Welcome to the third generation simulacrum weapon. Our central database contains the combat memories and weapon parameters. They have been packaged into independent data modules. Tu vois, la mise en scène, c'est... J'ai l'impression qu'il n'y a pas de transition. Bonne game, Barclay. À plus tard. Activé. Ah, du coup, là, j'ai sa tronche, là, c'est ça? Ah, no. Bah, après, elle est stylée, hein. Elle n'est pas dégueu. Mais... Je veux garder mon perso. Voilà, merci. Par contre, ouais, ça reste une arme de... d'électrique. Enfin, électrique, d'électrique, hein. On va quand même la tester. Je vais attendre d'avoir 30. Je sais pas si je peux avoir 30. Mais alors attends, renaissance. C'est quoi alors les boules noires? Attends, what? C'est quoi les boules noires qu'on ramasse? Je crois que c'est des invoques, mais c'est pas des invoques. C'est quoi? J'en sais foutrement rien. On fera la multi tout à l'heure. Ah, ok. Du coup, là, je suis avec la lance. Ça a l'air assez rapide quand même, ça va. Y'a pas d'attaque chargée? Ah, si, ça dépend du combat en fait. Ok. Mais alors, j'ai l'impression que c'est pour envoyer en l'air surtout. Et la compétence. Ouais, les gens disent que c'est un plagiat de Xiao, ouais, vite fait quoi. Faut pas déconner. Mais... Bref. Attends, parce qu'il y a... C'est quoi tout ça là? Pourquoi? Il y a un cadeau, comment je veux cadeau là-haut là? Cadeau shop, c'est quoi ça? Au secours! Bon. Récupérer. Je sais pas. C'est quoi? C'est bonsoir. C'est... On récupère des choses, c'est bien. Comment on s'appelle? Pourquoi j'ai encore un logo là? Ah, c'est ça. Ça, c'est la bannière de merde, ça, non? Profusion d'armes. Ça, je peux commander en mode OZEF, on est d'accord. SSR 0,3. Ouais, t'as rien dessus.
tu peux quand même choper des trucs, mais bon, là, t'as aucune garantie, t'as rien du tout. Donc ça, c'est la bannière perma de merde. Ça, c'est la bannière perma normale, on va dire. Et ça, c'est la bannière temporaire. Ok. Ok. J'aurais bien aimé que quelqu'un... Ouais, bon, je redemanderai quand il y aura... Je joue. Si ça vaut le coup de les faire tout de suite, les plus ici. Hein. Par contre, stop mettre des... Il y a des notifications partout, j'en peux plus. Mais c'est pas grave, on va fermer les yeux. Par contre, il y a le shop et le cadeau en haut, je sais pas comment... Ah, ou dans la liste d'amis, non? Messagerie? Non, c'est même pas, c'est pas ça. Mais j'en sais rien. Bon, on va continuer. Je suis désolé, je découvre, hein, ça... On tâtonne. T'entends pas, Michel? I got the power source, but there's something I have to take care of. I'll be back as soon as I'm done helping the scrapper. Okay, stay safe. Je veux vraiment mettre les voix en avant, mais je t'as pas le détail de la voix. Attends, j'ai vu un truc là, non? T'es beurré. J'ai pas vu un message en bas à droite là? Je sais pas. Je suis chata. Ok, pas de soucis, ne vous inquiétez pas. Hop là. Là-dedans. Hop là. Prends le calme-toi, retourne chez toi. T'es calme. Faut lâcher ou... 30 XP, ouais, ok. Commander une arme. Mais... Vous voulez vraiment que je... Ouais, d'accord. En tout cas, c'est que je préfère tout faire dans une grosse session quand même. Wow. Incroyable. Du coup, c'était un... Un duplicata de celle-ci, je sais pas. Oh my fucking god. C'est rien. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Attends, je vais rechoper du feu. Il y a encore un truc. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Sachant que c'est la toute première zone, hein, vraiment. Après de la... Je sais pas si c'est plus grand que Genshin, j'arrive pas à me rendre compte. Que j'ai beau avoir regardé la map, on se rend pas vraiment compte. Hein. Merci Michel. Je vais pas forcément te taper toi, mais ça me dérange pas. Hein. Ça ne m'agresse pas. Okay. Hop, le petit champi. C'est quoi ça? Alors, ça, je crois que ça donne des... Attends. Bon, c'est verrouillé pour l'instant. Ça te donne des points, tu peux acheter des choses avec. Ça vaut le coup de le faire. Ça te montre les mécaniques du jeu, je crois. Donc, faudra le faire. Après, il y a des cadeaux à acheter, mais je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est du troll? Est-ce que c'est vraiment des trucs qui valent le coup? Hop, les pissenlits. Mon personnage, j'adore manger des pissenlits. Stand by. Geographical scan activated. Planning route. Donc c'est ça qu'on a retrouvé, les récolteuses. C'est un vif d'or, le truc. Ok. Stand by. Geographical scan.
Alors pourquoi keep out? Pourquoi il y a une jauge? Il vaut combien, Michel? Voilà. Bon, alors ça a pas l'air dégueu. Pour l'instant, j'ai vraiment juste du mal avec la double lame physique. Le problème c'est que je peux pas jouer full. Je peux pas jouer full électro. Si j'ai un mob qui résiste à l'électro, c'est un peu con. D'accord, je vais pouvoir esquiver, c'est parce que j'ai fait péter le tonneau, je sais pas. Activation. Je regarde quand même si je pourrais pas faire une multi ou deux sur la temporaire. Quand j'aurai mes 30 invoques perma. Il y a encore un truc de feu là. Ah, il faut un truc de feu. Ouais, c'est sanglier qui résiste. What the fuck? Genre t'as de l'XP sur les sangliers. Ok. Ouais. Par contre, je comprends. Enfin, genre, c'est saturé, d'accord, mais on croise pas non plus un milliard de joueurs. Enfin, j'ai croisé deux mecs random. C'est pas non plus la cohue, on se bouscule un milliard. Enfin. Bon, après, il y a quand même le système de canal, peut-être. Tu peux te calmer, monsieur? Merci. J'ai dit quoi? J'ai dit on se calme. Non, je te calme. Ok, ça on va balancer sur l'autre et on continue. Hop, 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 hop. La lenteur. On se baladait tranquille. Après, visuellement, pour l'instant, je préfère quand même Genshin, je trouve que c'est un peu plus joli. En termes de direction artistique. On va voir les autres environnements au fur et à mesure. Alors. Stand by. Geographical scan. On va essayer d'enchaîner. Ah, c'est bon. Ok. La petite map qui est sur virgule, vu qu'on est en QWERTY, lolilol. On se mettre. Téléportation. Après tous ces persos là, je sais même pas qui c'est. Putain. Aïe aïe aïe. Par contre, genre les drop Twitch et tout là, ils sont où? Non, parce qu'on va regarder là, genre. Ça lance pas assez tout de suite, ok. Normalement, genre, j'ai débloqué des drops là. Attends, ils sont où parce que. Genre là, il y a 20 minutes, j'ai débloqué un nouveau drop. Là, je vais en profiter. Normalement, il y a carrément une invoque. Là, j'ai mis en profiter là. Je l'ai reçu? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est si malgré là? Messagerie, mais non. C'est pas du tout ce que je veux. Je sais pas, ou alors il manque peut-être encore des menus, j'en sais rien. Enfin, en vrai, j'ai toujours pas le shop et tout. Il faut qu'on continue, je pense. Mais c'est bizarre quoi, j'ai accès à la messagerie in-game mais j'ai pas les drop Twitch. Ou tout ça, je sais pas. On va essayer de se focus un peu alors. Ouais mais c'est compliqué là, y'a des pissenlits, y'a des. Moi j'ai envie de
tout fouillé là. Mais c'est pour ça, quand il y aura Sumeru disponible sur Genshin, je vais pas pouvoir faire de l'exploration comme ça sur deux jeux en même temps, c'est pas possible. Attends, il y avait autre chose donc. Ah si, ça, c'est qui m'intéressait. Allez, ouf. On ne se disperse pas trop. Et on continue. Ah, on revoit. Ah! Je sais pas. Est-ce qu'il y a des coffres à repérer quand même par rapport à d'autres? J'en sais rien. Y'a pas un truc de feu à côté? Si. Ça n'arrête jamais en fait. Il y en avait même un, celui-là il était fait. Il y a encore du pissenlit là-bas. Oh my fucking god. Bon, faut vraiment que j'arrive à me focus, bon de Dieu. Et après, je prendrai le temps d'explorer tout ça. Hop. Hello, la miss. You're back. Did everything go smoothly? I hope the power source is still intact. I have faith in you. Now I can repair this old hunk of junk. Oh, you must be hungry after all that tough work. Franz left his cooking pot here. Why don't you get yourself something to eat first? Ok, c'est l'heure de la peau aux potes. Qu'est-ce qui se passe? Ah, choper des poissons peut-être. You can put ingredients into the pot and make a delicious. J'avais vu une vidéo qui disait genre faut bien penser à faire de la bouffe tous les jours pour l'XP. Je sais pas dans quelle mesure, c'est pas ça. C'est un truc bleu. Ok, on veut des poissons. Des bons poissons, faire du barbling, poisson de veille croustillant. Satiété. Ok. D'accord, mais ça wow, that fish smells yummy. Want a bite? I'd love to. This rain came out of nowhere, and time's a wasting. Look, I've already replaced the deconstructor's power source. It doesn't seem to be working. Oh, I know what's wrong. I found out that its internal projection device is broken. But I know what to do. See those water cores over there? We'll use one of them as our new prism. Oh, ok. Let me go grab one. Ok. Un prisme, c'est bien. Je le fous là-dedans, là. Non, je lui apporte. Come closer. Yes, like that. Like this. Look. So this is what it really looks like. Shall we go inside? It's too risky. We'll be fine. I told you it's dangerous out here. I just wanted to help. Help? You're only giving me more trouble. But I... There is no but. Go back immediately. Without my permission, you can't... I... Shirley! Aïe aïe, traduit, je te déteste. Ok, why not? I'm sorry, Shirley. She... Hey, no need for all that. It's just some sibling squabble. That being said, I'm impressed that you two managed to fix the machine. Saved me a lot of trouble. It's not my place, Zeke, but Shirley might be more capable than you think. Maybe you can have a little more trust in her. I understand. I should go talk to her. Maybe we should let her calm down a little bit. How about we let those two kids have their chat first? You're right. I was too harsh on her earlier. She probably doesn't want to see me right now. Please take care of Shirley for me. It's raining. I don't want her to catch a cold. You can count on me. C'est pareil, j'ai des codes à rentrer. Je les rentre où?
Oh non, j'ai le chat. Ça y est, on a le chat. Comment on l'enlève? Discord, je regarde juste ce que c'est. C'est 24. Comment je le désactive quand même? J'ai pas envie de l'avoir sous les yeux. Je vais rester en équipe, je pense, en gros. Comment? Non. Mais pourquoi je le vois, le monde? Ah, c'est bon, il disparaît. Ok. J'ai pas forcément envie de voir tous leurs commentaires, machin, ça m'intéresse pas forcément. Le but, c'est notre groupe et tout y continue. Attends, tiens, j'ai pas essayé le truc électrique sur le mur, là. Je sais pas si c'est fait comme une bombe. Tel un Pokémon. Je ne sais pas. On va tester. Ça n'a pas du tout marché. Bon. Je sais pas comment on rentre là-dedans. C'est pas grave. Allez hop. On continue. J'aurais pu me TP en soi, mais... J'ai besoin de viande, merci. Recklessly and made him mad. Let's apologize to him after the rain stops. C'est tout. Je vais attendre une cinématique un peu plus longue. Amène-nous une pointe. I'm scared. Zeke must be furious. Right. Thank you for being here with me. Allons-y. It's time to step back and let you make your own decisions in life. Make my own decisions in life? Franz is right. Shirley, you're not a child anymore. You have your own aspirations. I want to become someone like you. I want to help the shelter. You're looking at a tough road ahead. I'm not scared. I know what I'll be dealing with. There's so many things you don't know yet. The world doesn't stop even when life kicks you down to the ground. Alors, la synchro, là, bien, elle est mieux que sur Genshin. Parce que Genshin, what the fuck. Mais des fois, ils ont un retour à leur posture de base qui est assez brutal. Ça me perturbe un peu. Rekibix. Then I'll get right back up again. What was that? Look out! What happened? That's... dirty ravagers! The shelter's warning system fail? Il a un gun en plus. Bon, je galère à remplir ma tour. There's still a group of unactivated Omnium guards at the central station. We have to deploy them. Time is of the essence. We'll try to hold them back while Shirley and you activate the guards. The control panel is up there. Come with me. Yes, I'm here. F, ça va le faire? F. Ha ha!
is in action. They're falling back. Hold the bridge. Wololo. Just you wait. Préparez-vous, ils sont coriaces. Prenez votre arc. Quoi ? Oh merde ! Est-ce que je spam ? Ouais, plus, d'accord. C'est pas mon problème. Je suis pas convaincu. L'efficacité de l'arme, surtout vous m'avisez. Un champ de compétence, c'est quoi ? Au moins, on a du feu maintenant. Et du coup là c'est E et R, ok, pour switcher l'arme. 52. Après l'arme a l'air de faire des dégâts. Ok. Qu'est-ce qui se passe? On s'en fout bien. The Bethlehem's defense is secure, but a large group of ravagers are attacking this. Follow me across the bridge. Là-haut. The barrier of the front gate is down. Le mec il a juste avancé. Oula oula, wow wow wow. Calmez-vous. Pourquoi défendre avec qui chauffe là le machin? Her to create the shield. It's really taking a toll on her body. I don't know if she suffered internal injuries to her organs and brain. Don't move her until I can evaluate her condition. She'll be fine, right? You know I'll do my best, Zeke. We still have ravagers hanging around. I'm worried they'll come back. I'll take care of those ravagers, Zeke. Thank you. Go to the runway. I have an armed glider for you. Méchant.
Ah, ça me met pas en pause. What the hell? Mais je vois pas les attaques en fait. C'est quoi ça? On est où là? Mais qu'est-ce que... de la OK. 2 minutes non? Ah, j'ai pas le choix, je suis obligé de me TP. Non, ça a pas freeze. C'est juste un temps de chargement très très long. How's Shirley holding up? She overloaded her suppressor to create the shield, but that exposed her to excessive amounts of omnium radiation. We stabilized her condition with some medication, but we can't say for sure if she's in the clear. The shelter's a mess. Those Ravengers raided our warehouse. Celine and I will have to clean things up. Zeke's with Shirley right now. You should go see her. Yes. On va aller la voir. Comment ça, new arm? Quoi? Ah oui, bah l'arc, du coup. Okay. L'arc qui est... sans niveau? Ah oui, niveau 0, d'accord. Mais les... Ouais, non, mais je vais vraiment looter des trucs, moi. Bref. Oula, c'est pas le chemin idiot, ça. Alors, comment ça va, la miss? Ça va, ne vous inquiétez pas. Ah, c'est pas elle qu'il faut parler. She's out of danger, for now. But it still doesn't look good. This is all my fault. Can she be treated? The shelter's only equipped with basic medical equipment. If Celine is trying to contact some friends in Banjis to see if any of them can help. I'm going to talk to Franz. He's got some connections. Maybe he'll have some ideas. Please take care of Shirley while I'm gone. Overheard you guys. Zeke, he's gone to see Franz, right? Well, how is it? Give it to me straight, Doc. I'm so sorry. I made everyone so worried. I'm
feeling a little hungry. Anything, really. Bah normalement... Ah non mais c'est scénarisé, parce que j'allais dire on a de la bouffe. On a combien d'épisodes là? 45 minutes? On va pas tarder à couper. T'as même la base, j'ai pas visité en fait. What the fuck. Du coup, à niveau armes... Je sais pas, l'arc est moins horrible que ce que je pensais. Je sais pas. La popote. Base de champignons. C'est un joueur ça? Ah non, c'est un PNJ. Ok. Parce que là, j'ai pas l'impression de croiser de joueurs depuis tout à l'heure en fait, c'est un peu bizarre. Alors qu'on est dans la ville principale. Après, en même temps, il n'y a pas l'air d'avoir non plus un milliard de choses à faire dans la ville. Le but, c'est de partir en exploration. J'arrive, la miss. J'ai des champignons pour toi. Shirley? What? Shirley? Where'd she go? In her current condition, I need to find her now. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Une planète? Pourquoi je vois des recruteurs en bas là? Je m'en fous de ça. Elle est partie super loin, what? Attends, Udumi. Je crois qu'elle se sent pas très bien là. Du coup, c'est R et E les touches. Okay. Oh. Qui venant d'un cimetière. Shirley, what are you doing out here? I just wanted to see the stars. I'm sorry. I just want to be alone, just for a little while. When we were little, Zeke used to take me out here to gaze at the stars. I like it here. It's so quiet and peaceful, like all the bad things in the world just didn't exist. I wish things could be like back then. Forever. I didn't want to make Zeke sad. Shirley, are you okay? What am I gonna do? Shirley! Re-Guillaume, welcome back. Je pense qu'on va couper l'épisode là-dessus, ça va faire trop long. Donc je vous dis merci d'avoir regardé. Et à la prochaine pour la suite. Allez voir ce qui se passe, hein, parce que... Elle avait des espèces de veines un peu chelou, un peu dégueulasse. J'espère que ça va pas mal finir pour elle. Bref, see you next time. Ciao, ciao.